Bonjour et bienvenue sur Racus.fr. Nous sommes ici sur le stand Volkswagen du Salon de Genève 2019 pour vous faire découvrir le T-Cross. Alors le T-Cross c'est quoi? C'est en fait le dernier né de la gamme SUV chez Volkswagen. C'est un SUV urbain qui se place sous le T-Roc. Il mesure 4,11 m de long. Il se positionne en face des Peugeot 2008, Renault Captur ou encore Citroën C3 Aircross. Alors, au premier abord, c'est plutôt un design sage, rassurant. Alors, la petite touche d'originalité, c'est ce bandeau qui n'est pas lumineux, en tout cas qui reflète la lumière lorsque on roule derrière avec les phares allumés. Donc, c'est un bandeau réfléchissant. Comme les autres SUV de la marque, il arbore le T-Cross au milieu du coffre. On va découvrir un petit peu l'intérieur. En fait, c'est une planche de bord qui est très proche de celle de l'Apollo. Alors, il arbore un nouveau volant, des nouvelles touches. On a droit au combiné numérique. Un écran tactile tout en haut, des commandes de climatisation classiques. On peut bénéficier d'un petit peu de personnalisation. C'est vrai que ça égaye un peu l'ensemble, c'est sympa. À l'arrière de ce T-Cross, on a beaucoup d'espace. Et surtout, on profite d'une banquette coulissante sur 15 cm. Donc ça, c'est plutôt un bon point, ça permet de faire varier l'espace arrière. Et le coffre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le coffre, pour la catégorie, c'est très bien, puisqu'il cube entre 385 et 455 litres. C'est un bon point pour la catégorie. Sous le capot de ce T-Cross, on trouve trois essences. Un 1 litre TSI de 95 115 chevaux, ainsi qu'à 1500 TSI de 150 chevaux. En diesel, il y a une offre TDI de 95 chevaux. Alors, ce T-Cross sera disponible à partir d'avril 2019. Alors, il y a déjà la first edition qui a annoncé ses tarifs à 26 300 euros. Alors, c'est cher. C'est l'édition manquant, bien sûr. Il y aura des versions beaucoup plus abordables. Et on peut voir également sur ce salon de Genève version Airline, donc une version un peu plus sportive, hein, en tout cas dans le look. Donc là, ici on a des jantes de 18 pouces, on a des pédales en plastique, on a également le petit logo Airline ici sur l'aile, partie avant qui est également un petit peu plus agressive. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce T-Cross au Salon de Genève 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et à vous inscrire sur notre chaîne Racus. A bientôt. Ciao, bye bye.